Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier de l'Avent. On est le 8 décembre, donc on va ouvrir la 8e case. Alors que je la trouve. Du coup la 8e case elle est ici. Donc c'est n'oublie pas ton animal de compagnie dans la liste des cadeaux. Voilà. Donc là, c'est un petit défi typé Noël. On avait hier un défi plutôt budget. Et donc cette fois-ci, je me suis dit, c'est vrai qu'on ne fait pas souvent des cadeaux à nos animaux. Bon, en tout cas, moi, pour Noël, je n'offre pas spécialement de cadeaux à mon chat. Et je me suis dit, pour tous les propriétaires d'animaux, pourquoi pas prévoir un petit quelque chose de spécial pour les fêtes de fin d'année. Donc moi, je suis allée en animalerie, et je sais qu'elle adore le pâté. Je ne lui donne absolument jamais de pâté. Alors pourquoi? C'est parce que c'est une gloutonne, mais vraiment une gloutonne. Pour les croquettes, j'ai une gamelle anti-glouton où elle est obligée d'aller récupérer les croquettes une à une pour les manger. Et le pâté, et ben c'est pareil, j'ai une gamelle anti-glouton que j'ai juste là. Comme ça, où elle est obligée de lécher et d'aller chercher dans les petits recoins. Et malgré tout, eh ben, elle mange tellement vite, elle gloutonne tellement vite qu'elle recrache, ben, elle revomit tout juste derrière. Donc j'ai quand même décidé de lui faire plaisir, parce que je sais qu'elle adore ça, le pâté. Si elle pouvait en manger tout le temps, elle en mangerait tout le temps. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner par petite dose. Donc je suis allée chercher deux petites boîtes, et puis je lui donnerai ça pour les fêtes. Alors pas obligé de dépenser des mille et des cents hein, pour son animal de compagnie. Un os que vous allez chercher chez le boucher, pour un chien ça ira très bien. Pour les chats c'est pareil, un petit bout de ficelle si vous avez des chatons, et ben c'est très bien aussi. Mais histoire de changer un petit peu leur quotidien, parce que ben, on va dire que c'est un peu tout le temps la même chose pour eux. Toutes les journées se ressemblent, et donc du coup, histoire de changer un petit peu quelque chose, j'ai décidé de faire un petit défi pour les animaux de compagnie. Donc s'il vous plaît, ne les oubliez pas pour les fêtes. Voilà, donc j'espère que vous relèverez ce petit défi. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous comptez offrir pour Noël à votre animal de compagnie, que ce soit un chien, un chat, un poisson, une girafe ou que sais-je, je ne sais pas. Dites-nous tout ça en commentaire, et du coup bah, on se retrouve demain pour le nouveau défi, et je vous spoil un petit peu, et ce sera un défi plutôt, on va dire, bien-être, économie d'argent aussi, mais je vous en dis pas plus. Voilà, je vous dis à demain, ciao.